after you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you. Alors là, ben, je suis en train de préparer la valise hein, pour l'hôtel. Vu que là-bas, il n'y a pas de frigo, j'ai pris des petits trucs pour grignoter et on n'a pas pris une pension complète. Ils ne le proposaient pas, il y a juste petit déj compris. Donc entre-temps, on ira manger dehors. Ou, voilà. Si les petits ont envie de grignoter dans la journée, ils ont leur petit goûter, les petites crottes et tout. Ça, là, j'aime trop. Et la famille, bon, je suis en train de me faire une petite beauté. Yo! Je suis en train de me faire une petite beauté. J'ai mis mon anti-cerne, là, je vais passer mon fond de teint. C'est pas trop carré, là, mais... on s'en va. Heureusement qu'hier soir, on avait déjà mis du carburant. Bah, on a tout fait. Oula, qu'est-ce que c'est? Oula là, ça va pas, là. Je pense que tous les enfants allaient derrière, toi. Alors, je vous montre comment se présente la chambre. C'est une chambre double. Hello. Hello. Ça va vraiment nous faire du bien ce week-end. Durant toute ma grossesse, bah, je ne sortais pas, j'étais bloquée à la maison. Quand j'ai accouché, on est resté un mois à la maison. On a voulu partir en vacances, mais vu que le bébé n'avait pas encore son vaccin, bah, vous savez, c'est pas possible. Donc on s'est dit qu'on allait se faire un petit week-end dans les environs à côté de la maison. Je vous montre la chambre. Chambre simple, hein. C'est une chambre double. Désolé, il y a le soleil qui tape. Hop, deux grands lits. Petite télé, c'est cool. Une petite table. En plus, on peut se faire servir le petit déj ici. Hop. Là, on a le petit balcon. C'est cool, hein? Là, comment on ouvre ça? Bah, tu sais comment on ouvre? Ah, c'est là-bas. Alors, je vous montre un petit peu, hein, pour l'été, c'est pas mal. Là, la piscine, elle n'est pas utilisable, mais... voilà, c'est... J'aime trop. Ça fait du bien, il n'y a pas besoin d'aller loin pour décompresser un petit peu. Ça change du cadre de la maison, et puis voilà. Hop. Chiot, chiot. Oui. Moi, tu es moi. Ouais, t'as vu, yes. Ouais. Carré dans la zone. On est arrivé à l'hôtel, on a fait les formalités, on est tous dans la chambre et on a commandé un Uber Eats parce qu'on n'a pas mangé. Hein. On n'a pas mangé depuis ce matin, on était en train d'apprêter des affaires, etc. Il est que 17h et on a super faim. L'hôtel, il y a un restaurant, buffet, donc on mangera là-bas ce soir. Demain, on verra. Si on a bien aimé le buffet de ce soir, demain aussi, on mangera ici. C'est 26€ par personne, les enfants ne payent pas, donc 26 x 2 pour Mike et moi. Dans la chambre.
Oh, c'est pas arrivé. T'as une vie de luxe, toi. C'est bizarre. Attendez, j'ai mis mon réveil. Il était quelle heure? Mike. Mike et moi, on a dormi à 2h. 7h30, on a mis le réveil. On a mis le réveil à 7h30. On se lève, enfin les enfants nous réveillent. Je vois qu'il fait beau. Genre, c'est pas un temps de 7h. Je te jure, en plein soleil. Je vous dis. Il fait beau, tu vois. Un soleil, regarde, il tape la piscine là-bas. Oh, les enfants, regarde, il va pas. Coucou. Coucou. Eden dit coucou. Eden. Coucou, Daniel. Welcome, loulou. Bon, je vous montre un peu l'hôtel, comment ça se présente, comment c'est fait. Bon, je vous ai montré la nuit, là je vous montre la journée, là le soleil. Ah, vous avez capté ou pas? Capté le délire ou pas? Là, là, vous pouvez vous dire, vous devez vous parler, vous devez... Donc, programme du soir, on va pas manger à l'hôtel parce que ce soir c'est cabaret. Qu'est-ce qu'il raconte là? Jazz. Jazz, soirée aussi, jazz. Tu connais pas les bonnes choses. Des trucs qui m'intéressent pas là. Ce sont des bonnes choses, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, oh mince, mon chewing-gum, je le mâche comme une dinde là. Vous allez mettre plein de commentaires. Non, toi, chewing-gum. Bref, du coup, là, on va à Carré-Sénard. Là-bas, il y a plein de restaurants. On sait pas trop où aller. Et peut-être qu'on se fait un ciné après. Le problème, c'est que Mike et moi, on kiffe les restaurants à volonté. Malheureusement, tout ce qui est à volonté, c'est presque que du chinois. On a vraiment du mal à trouver des restaurants à volonté avec d'autres gastronomies. Sauf le Rodizio Brésil. Rodizio du Brésil. Genre, il y a de la viande à volonté, mais tout est à volonté. Ils passent sur les tables et tout avec la viande, etc. Mais bon, on va voir. Je sais pas pourquoi je l'ai écouté. Mike voulait une pizza. Alors moi j'ai pris, j'avais pas mon frère laissé, j'ai pas pu plaquer ma perruque. Moi j'ai pris pâte bolo. Je suis désolée, j'aime trop les pâtes bolo, j'arrive pas à changer. Bon, moi je suis jamais venue au Vapiano, mais chez moi je fais toujours des pâtes bolo. Papa Mike a pris, t'as pris quoi toi? Carbonara avec lardon. Oh là là, pourquoi tu as pas changé un peu, genre pâte crevette à la crème? Je sais pas, change un peu. Je résilie à ça. Enfin bref, et j'ai pris une salade, genre j'aime trop la salade. Ils ont recoupé du pain, tant mieux.
on va sur les côtés. C'est ça que je te dis. C'est maintenant que tu réalises. Bon, s'il y a personne, on va se décaler là-bas. Ok. On a passé un week-end terrible, franchement, c'est cool, j'ai kiffé, là, franchement, en plus là, on se repose, là, je suis tout seul avec Anna, là, on va essayer de faire quelques activités pour finir, là, je vais voir si je vais au bar pour prendre un petit Monaco, tu connais, un petit truc, mais bon, franchement, c'est cool, on va faire ça plus souvent, hein. C'est vraiment cool, bon, on se dit à tout à l'heure, l'équipe, yeah.